On va commencer du coup. Avec Martine, Soavi. Donc voilà, on a priori, bonsoir à vous toutes et tous. Je suis avec Martine Soavi, qui est notre maire adjointe, qui excelle autant en matière d'urbanisme que de santé. Et donc qui a travaillé avec Laurent Carilla, je vais en dire un mot, ses conférences. Il y a du monde qui nous regarde a priori aussi en direct. Et c'est vrai que les habitudes ont changé depuis qu'on fait des directs. C'est comme pour le conseil municipal, il y a des centaines de personnes qui suivent le conseil municipal et plus personne dans la salle. Et donc, voilà, on est quelques-uns ici et je vous remercie de vous être déplacés. Et donc, c'est un plaisir, je dis avec Martine, parce qu'on a fait ça ensemble, d'accueillir Laurent Carilla, qui est donc, bonsoir Monia, donc professeur, il se présentera lui-même. Récemment, professeur donc de médecine en addictologie. Bonsoir Hélène. Et donc, on a initié l'an dernier des conférences en visio déjà sur l'addictologie, plusieurs conférences sur différents types d'addictologie. Et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir ce partenariat parce qu'il est aussi donc à l'hôpital Paul Brousse, mais rattaché à l'université Paris-Saclay, dont dépend maintenant aussi l'université d'Évry. Et au-delà du plaisir de l'avoir ce soir en chair et en os à Corbeil-Essonnes, c'est aussi un partenariat qu'on imagine poursuivre longtemps. Tant la politique de santé de la ville, c'est de travailler les questions de prévention et en addictologie, mais vraiment pas simplement. On a de nombreuses maladies qui mériteraient un travail de prévention et qu'on pourrait éviter dans nos territoires. Et donc, on souhaite que la politique de santé publique de la ville se développe en lien avec le centre municipal de santé en matière de prévention. Je le dis aussi, on a notre hôpital sud-francilien qui est un des principaux hôpitaux en sud parisien et on a l'ambition de devenir un peu hôpital universitaire, un CHU, et donc faire venir des professeurs de médecine à Corbeil-Essonnes, c'est initier un travail partenarial entre la ville, l'université et l'hôpital. Je le dis aussi, Corbeil-Essonnes, une terre où les questions de psychiatrie ont toujours été importantes. Le partenariat, il y a une cinquantaine d'années, entre Roger Combrisson, l'ancien maire de cette ville, et Lucien Bonafé, qui a été un des pères de la psychiatrie, notamment de ce qu'on appelait la psychiatrie de secteur. Et donc, poursuivre ces partenariats sur ces sujets hyper sensibles qui touchent en fait à la santé mentale. Derrière l'addictologie, on parle de santé mentale aussi. Et donc, un plaisir d'avoir une démarche généreuse pour se former à ces questions. Et donc, laisser Laurent faire sa conférence et puis, évidemment, lui poser des questions après en direct sur tout ce qui nous intéresse dans ce domaine. Donc, un plaisir de t'avoir enfin ici à Corbeil. À toi. Merci, William. Je vais rester assis, mais ça fait un peu court, mais ou je me lève comme vous voulez, hein. Ou je peux faire les deux. Ouais, d'accord. Donc, je suis très heureux de travailler avec Corbeil-Essonnes, avec l'équipe de Bruno Biriou et de Martine Soavi, parce qu'il y a un vrai travail pour la première fois qui est engagé en termes de prévention des problèmes addictifs. Et ça, c'est vraiment important à souligner. J'ai travaillé avec beaucoup de villes, mais là, il y a un vrai, il y a quelque chose qui se crée et quelque chose qui se poursuit. Et on dit que pour bien prévenir les gens, pour les maladies, il faut faire comme avec les vaccins. Alors, on sait tout le débat que fait le vaccin, hein, mais les vaccins. Mais il faut répéter les injections vaccinales pour être protégé. Et pour la prévention des addictions, c'est exactement la même chose. Et donc là, il y a eu donc l'année dernière un cycle de six conférences qui a été réalisé en visio, qui a plutôt très bien marché. Là, on avait décidé donc la poursuite de ce travail préventif sur les addictions avec cette première conférence présentielle. Et après, il y aura un cycle à nouveau de visio pour le grand public, pour tout le monde. Et il y a parallèlement à ça, donc comme l'a dit Bruno, on va travailler le terrain avec les professionnels de santé de Corbeil-Essonnes. Donc, il va y avoir des formations pour les professionnels de santé, tous les acteurs de terrain dans ce champ de prévention des addictions, avec des conférences qui vont être spécialisées pour eux. Et l'idée, ben, c'est de poursuivre ce travail et de faire un vrai, vrai, vrai travail de prévention pour la première fois
ça n'a jamais été fait. Donc voilà, c'est une bonne chose et une belle chose. Donc je vais vous parler des addictions, et moi je définis les addictions comme un trouble de préférence de choix. C'est quelque chose de complexe, et c'est d'abord avant tout cérébral. Vous voyez, le cerveau, la maturation, on va dire, normale, entre guillemets, pubertaire du cerveau, et ben notre cerveau, quand il devient tout bleu, là, vous avez un cerveau qui est complètement formé. Donc c'est autour de 20-25 ans que ce cerveau devient tout bleu, c'est-à-dire que toutes les structures du cerveau sont formées, et vous avez un cerveau, on va dire, entre guillemets, moi j'aime pas le mot normal, mais normal, vous voyez. Si vous apportez, avant que ce cerveau devienne bleu, des produits extérieurs, fumer du cannabis, avoir des ivresses alcooliques, je sais pas, prendre de la cocaïne, de la MDMA, du protoxyde d'azote, tout ce que vous voulez, du porno, énormément de porno, etc., et ben, ça va altérer certaines structures et le cerveau ne devient pas bleu. D'accord ? Et s'il ne devient pas bleu, ben, le cerveau va lutter. Nous, on a un cerveau qui est plastique, donc il y a une plasticité cérébrale qui fait que notre cerveau, quand il souffre, il essaye de se comporter comme un cerveau normal, entre guillemets. D'accord ? Et si on voit en volumétrie cérébrale les choses, alors j'adore le cerveau, hein, je vais vous faire beaucoup de cerveau d'abord. Donc si on voit en volumétrie les choses, vous voyez, il y a ces volumes cérébraux, et ben, ils deviennent formés, finalement formés, à l'âge de 25 ans. D'accord ? Donc le cerveau devient mature complètement à 25 ans. A priori, vous avez tous au-dessus de 25 ans, donc a priori, c'est formé. Il y a un système qu'on appelle le système des récompenses naturelles, qu'on a tous et toutes, c'est-à-dire manger, boire, avoir des rapports sexuels, ça fait partie des récompenses naturelles. D'accord ? C'est très animal, mais c'est ce qui nous conditionne aussi pour notre survie. Et ces récompenses naturelles induisent du plaisir. Quand vous avez faim et que vous mangez, ça vous fait plaisir. Je pars hors pathologie. Quand vous avez soif et vous buvez, hors alcool, mais ça peut être aussi un peu d'alcool, dans des conditions, selon Santé publique France, 2 verres par jour, pas tous les jours, ça va entraîner du plaisir. D'accord ? Et tout ce qui vous fait plaisir, vous le recommencez. Prenez n'importe quel exemple personnel, tout ce qui vous fait plaisir, vous le recommencez. Si vous avez vous aimé écouter une chanson particulière, elle est enregistrée comme vous faisant plaisir, et ben vous allez réécouter cette chanson. Si vous aimez acheter des chaussures, et ben hop, vous allez, ça va vous faire plaisir, vous allez acheter des chaussures, etc., etc., etc. Et ce qui est très très important, c'est qu'il y a 4 circuits cérébraux importants chez nous. Ce premier circuit cérébral, c'est la récompense. La récompense, c'est quoi ? C'est j'ai faim, je mange. Le cerveau, il y a un circuit animal qui s'allume, c'est le circuit de la récompense. D'accord ? On n'est pas des animaux, on a d'autres circuits qui interagissent. L'autre circuit, c'est le circuit de la mémoire et de l'apprentissage. C'est-à-dire que, depuis que vous êtes petit ou petite, vous avez appris des choses, vous avez mémorisé des choses, et votre cerveau a mémorisé des choses positives, d'accord, et négatives. D'accord ? Mais la force de notre cerveau, c'est que notre cerveau se rappelle que des choses positives. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Un ado qui fume du cannabis, ça lui fait plaisir, son cerveau enregistre que la fonction « le cannabis t'a fait plaisir ». Il n'enregistre pas « le cannabis t'a fait délirer »,« le cannabis t'a rendu malade », etc. D'accord ? C'est une des fonctions de notre cerveau. D'accord ? Donc, en situation non pathologique, on a un circuit de récompense animale qui interagit avec notre circuit de mémoire et d'apprentissage. Et il y a un troisième circuit qui s'appelle le circuit de la motivation qui agit chez nous. C'est quoi le circuit de la motivation ? C'est par exemple, et je vous en remercie, vous étiez chez vous au travail tout à l'heure et vous vous êtes déplacé ici pour écouter la conférence. Et c'est ce circuit-là qui a fait que vous êtes venu. Induit par la récompense, parce que je vous apporte plein de plaisir en parlant, et induit par la mémoire et l'apprentissage, parce que vous avez appris que, finalement, peut-être sortir, voir une conférence, écouter des données, ben ça va vous faire plaisir. D'accord ? Et tous ces circuits sont médiés par un autre circuit final, qui est le circuit du contrôle. Circuit du contrôle, c'est quoi ? C'est réagir de manière adaptée à des situations sociales adaptées ou inadaptées. Un exemple, vous êtes au volant de votre voiture et on vous fait une queue de poisson. Si je vous interroge tous un par un et je vous dis qu'est-ce que vous faites, quelle est votre réaction, vous allez tous me dire, vous allez tous avoir des réponses différentes. Il y en a qui vont me dire, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Je vous fais une queue de poisson en voiture, qu'est-ce que vous...
Quel connard celui-là? Vous l'engueulez? Bon, d'accord. Il est cinglé. Klaxon. Pardon? Klaxon. D'accord. Et on peut avoir plein d'exemples. Eh bien, c'est ça. Il y a un registre de réponse. Vous voyez, vous avez tous un contrôle adapté. Ça peut être. Alors, ce n'est pas l'insulte tout de suite, mais ça peut être l'insulte tout de suite. Ça peut être klaxon, appel de phare, klaxon, appel de phare, insulte, insulte variable dans le degré. Ça peut être klaxon, appel de phare, insulte. D'accord ? Et le pire quand on perd contrôle, c'est course-poursuite. Très bien. Vous avez un contrôle sympa, vous. Hein ? Non, je rigole, non, je rigole. Course-poursuite, je fais une queue de poisson à celui qui a fait le poisson, je sors de ma voiture, je lui mets un coup de genou. Ça, c'est l'impulsivité totale. Donc, vous voyez, le registre, c'est de mesurer à très impulsif. D'accord ? Et quand notre circuit de contrôle n'est pas altéré, on arrive à moduler notre réponse. D'accord ? Ça, c'est en situation physiologique, c'est-à-dire non pathologique. Maintenant, si on est addict, peu importe l'addiction, hein, ça peut être du tabac, du sucre, tout ce que vous voulez, du sexe, de la cocaïne, tout ce que vous voulez. Si on est addict, vous avez le circuit de la récompense qui agit qu'avec celui de la mémoire. D'accord ? La motivation, elle est isolée, c'est-à-dire que tous les addicts perdent la motivation à changer leur comportement. Et le contrôle est isolé, ils ont une perte de contrôle. C'est-à-dire que dès qu'ils ont envie de consommer, ils consomment. D'accord ? Il n'y a plus de réponse adaptée. Et c'est de quoi récompense et mémoire apprentissage seul dans l'addiction ? Ça veut dire que je sais que la première fois où je me suis drogué, où j'ai bu de l'alcool, etc., ça m'a fait du bien. Le cerveau, il dit ça. Donc quand on est addict, le cerveau, il dit, t'as envie de te droguer, va te droguer. Il contrôle rien et il n'a pas de motivation à se dire, ben non, je vais peut-être pas aller me droguer. D'accord ? C'est pas, vous prenez toutes les addictions, c'est ça. D'accord ? Quelqu'un qui est addict au porno en ligne, c'est ça. Quelqu'un qui est addict aux jeux de hasard et d'argent, aux jeux de grattage, aux jeux de casino, c'est ça. D'accord ? Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de motivation, c'est que de la récompense, la recherche de récompense sans arrêt. C'est important. Et si je vous montre ma théorie des feux tricolores, voyez, le cerveau non addict, le feu est tricolore, donc vous connaissez le code de la route. Rouge, je m'arrête. Jaune, je ralentis. Vert, j'y vais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis non addict, on me sert un verre d'alcool. Et mon cerveau me dit feu vert, je le bois, ça me fait plaisir. On me dit, bah, tu veux pas un deuxième verre? Mon cerveau peut dire vert ou jaune ou rouge. Vous voyez? Et c'est pareil pour, j'achète des jeux à gratter au PMU, je m'en achète un, je perds, vert. Je dis, bah, je vais en acheter un deuxième, vert. Et à un moment, mon cerveau dit jaune, rouge. D'accord? L'addict, lui, c'est feu vert. Il n'y a plus de réduction du comportement, il n'y a plus de stop du comportement. Il est en feu vert non-stop, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. On me sert un verre, je bois, deux verres, je bois, trois verres, je bois, quatre verres, je bois, je rentre chez moi, je bois, etc. etc., etc. Je vais au casino, je joue 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, vous voyez ? Tac, tac. Et c'est important cette question aussi des jeux, parce que c'est des jeux de hasard, parce que c'est un problème qui touche les ados en ce moment, et qui touche les jeunes adultes qui jouent en ligne sur leur smartphone. Donc vraiment, vraiment, c'est un point important sur lequel on va aussi insister à Corbeil-Essonnes. Pour continuer dans l'explication des phénomènes, après vous aurez tout compris des addictions, hein, quand je vous aurai montré plein de cerveaux, notre cerveau sécrète des molécules, il y en a trois principales, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Et vous voyez les cercles. Le cercle de la dopamine, c'est tout ce qui est récompense, plaisir et non comportement. Et ça va interagir avec d'autres circuits, donc noradrénaline et sérotonine. La noradrénaline, c'est ce qui nous donne de l'énergie, de la vigilance et de la concentration. Là, en ce moment, vous sécrétez beaucoup de noradrénaline pour être concentré, pour être vigilant. Vous dites, bon, il est presque 20h, je préfère être chez moi, mais non, je suis là, je fais attention aux choses. Et vous avez de la dopamine, ça vous fait plaisir de m'écouter. Mais ce qui est important, c'est que moi aussi, ça me fait plaisir de vous parler. Vous voyez, donc il y a une interaction. Moi aussi, je sécrète de la noradrénaline. Et moi aussi, je sécrète de la dopamine en réponse à ce que vous m'envoyez. D'accord ? Et la sérotonine, eh ben, c'est tout ce qui vous
fait, en gros, là, en ce moment, que vous écoutez et vous mémorisez les choses. Même si vous n'allez pas tout mémoriser, vous prenez quelques informations. Et ça, c'est important. Dans l'addiction, ce triangle est perturbé. D'accord ? Et notamment, quand la sérotonine est perturbée, on fait ce qu'on appelle des troubles anxieux et des troubles dépressifs. D'accord ? Quand notre dopamine est en excès, ça joue un peu sur toutes les maladies psychiatriques et les maladies addictives. Ok ? Je continue dans l'explication. Donc, vous avez vu, donc, on a quatre circuits. 20-25 ans, notre cerveau est formé. Vous avez vu, dans l'addiction, il y a des circuits qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent très mal. Et on a une échelle du plaisir. On a une échelle de plaisir qui varie tous les jours, hein, tout le monde, de la dysphorie. La dysphorie, c'est un état de tristesse importante, à l'euphorie, vous vous sentez au top. D'accord ? Et si vous prenez vos exemples perso, il y a des matins, vous vous levez, vous avez la pêche. Des matins, vous vous levez, vous n'avez pas du tout la pêche. Des matins, vous vous levez, vous êtes vous ennuyez, vous sentez négatif, positif, etc. D'accord ? En fait, quand on n'est pas addict, on arrive à équilibrer cette échelle. Quand on est addict, c'est déséquilibré en permanence. Donc, une notion en plus, c'est qu'il y a un déséquilibre du plaisir dans l'addiction. Les gens qui consomment des produits ou des comportements, ils n'ont plus de plaisir. Alors qu'à la base, tous ces produits et ces comportements induisent du plaisir. Mais c'est important. Je vous montre que l'addiction, c'est une maladie du cerveau. Pourquoi ? Sur la première ligne, c'est des images de cerveau. Sur la deuxième ligne, c'est des images de cœur. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a un cerveau contrôle et à côté, un cerveau de quelqu'un qui consomme de la cocaïne depuis longtemps. Et sans être radiologue ou neuroradiologue, vous voyez bien qu'il y a des différences entre les deux cerveaux de couleur. Vous les voyez ? Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau cocaïne essaye, avec sa plasticité, de retrouver les mêmes couleurs que le contrôle. Or, il n'y arrive pas. Et toutes ces anomalies-là font qu'il y a une maladie. Et c'est la même image que les cœurs. Vous voyez, il y a un cœur sain et un cœur malade. Vous voyez que les couleurs ne sont pas pareilles, mais le cœur, il n'est pas plastique, pour le coup. Donc, il y a une différence entre un organe sain et un organe d'un consommateur. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a vraiment une matrice à la maladie addictive. C'est pas qu'un truc de l'addiction, c'est un truc de volonté, etc., etc. Tout ça, ça n'existe pas. D'accord ? Et si je vous montre maintenant le cerveau de quelqu'un qui fume du cannabis, eh ben le cannabis, quand vous allez le fumer, il va aller se fixer sur toutes ces régions du cerveau. Et vous voyez toutes les régions. Il y a envers le mouvement, la région des sensations, la région de la vision en arrière, la région de la coordination plus bas dans le cervelet, un peu plus haut en jaune la mémoire, un peu plus haut en violet la récompense et le jugement. Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui fume du cannabis, on va dire avant 25 ans, toutes ces structures-là ne sont pas formées. Elles commencent à se former. Donc plus c'est tôt, plus ça altère le bon fonctionnement, la bonne architecture de ces structures. D'où les risques de consommation de cannabis ou bien d'autres substances. Et je vous montre encore une autre image de cerveau pour vous expliquer la maladie addictive. Dans l'addiction, le symptôme principal, c'est ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrésistible de consommer. On ne peut pas s'empêcher de ne pas consommer quand on est addict. Et là, c'est une étude très intéressante. C'était pour expliquer pourquoi quelqu'un qui est addict guéri reste toujours addict quand même. Il est toujours à risque de rechuter. D'accord ? On l'explique par exemple avec cette étude. Vous voyez, dans cette étude, il y a une image cérébrale de nature vidéo, de vidéo naturelle, et une image de cerveau, c'est des images couplées hein, de plusieurs patients qui ont vu une vidéo cocaïne. Donc je vous explique l'étude. On a mis des gens abstinents en cocaïne dans une IRM, donc une machine à IRM. Et il y a un écran vidéo où on leur montre deux types de vidéos. On leur montre une vidéo nature. C'était comme un petit. C'était par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Petite Maison dans la Prairie, le téléfilm. Vous vous rappelez?
Donc on leur montre le générique, en gros, de la petite maison dans la prairie. D'accord? Et on analyse ce qui se passe dans leur cerveau. On fait une pause, et après on leur montre des images de cocaïne. On leur montre des extraits de films, genre Scarface, Pulp Fiction, Requiem for a Dream, des images où il y a de la drogue, où il y a des gens qui consomment, où c'est assez violent comme image, où vraiment il y a de la vraie consommation. Et bien quand vous comparez les vidéos nature à la vidéo cocaïne, vous voyez qu'il y a une structure qui s'allume, c'est l'amygdale, vous voyez ? Il y a une tache jaune. L'amygdale, c'est la mémoire. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le circuit. Mémoire-apprentissage. Le cerveau se rappelle des drogues alors que le sujet ne consomme plus. D'accord ? Alors, on n'a pas laissé partir ces patients après les avoir redéclenché des choses. Hein. Mais c'est pour vous dire, le cerveau se souvient toujours. D'accord ? L'addiction, c'est vraiment une maladie cérébrale comme support. Si je prends pareil, des études, je vous montre des cerveaux, mais c'est pour expliquer les maladies. Cerveau et jeux en ligne, c'est la même chose. D'accord ? Ceux qui jouent en ligne, non-stop, alors les jeux, c'est très bien, les jeux vidéo, les jeux en ligne, c'est super, mais ceux qui débordent dans leur consommation, eh ben, ça va entraîner, pareil, des activations cérébrales qui montrent que le sujet est malade. Si je fais la même chose avec des images type stimuli érotiques, visuels, comme ça, si je vous montre à tous et à toutes des images érotiques, il y a tout votre cerveau va s'allumer. D'accord ? Mais s'il y en a dans la salle qui ont un usage compulsif de la pornographie, la ligne du bas, qu'on compare à des sujets sains, la ligne du haut, sujets sains, c'est qui regardent de temps en temps de la pornographie, et ben vous voyez, sans être radiologue, qu'il y a des différences d'image dans le cerveau. L'usager compulsif de pornographie, il active son cerveau qui est un peu malade. D'accord ? Vous avez capté tout ça ou pas ? Parce qu'après, je vous interroge. Bon, je continue. Quels sont les facteurs de risque de l'addiction ? Il n'y en a pas qu'un, mais celui qui est central, et c'est pour ça que notre campagne de prévention ici à Corbeil-Essonnes est capitale, c'est il faut travailler la prévention, et surtout chez les jeunes. Je vous le dis, c'est une banalité ce que je dis, mais c'est une réalité qui n'est jamais faite. D'accord ? On fait des petites campagnes comme ça, par-ci, par-là, ça n'a aucun sens. Il faut que tout le monde soit au courant, tout le monde soit sensibilisé sur la même ligne directrice. Donc ce qui est au centre des risques, c'est le développement personnel. C'est comment s'est passée notre puberté, notre cerveau entre 0 et 25 ans, qu'est-ce qu'on lui a fait, et qu'il y a des différences garçons-filles. Mais ça interagit aussi avec les comportements. C'est-à-dire comment est notre tempérament, est-ce qu'on est excessif, est-ce qu'on est plutôt introverti, comment est notre personnalité et est-ce qu'on a des troubles psychiatriques associés? Est-ce qu'on est déprimé? Est-ce qu'on a des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité? Est-ce qu'on a des troubles anxieux, des troubles du sommeil, etc., etc. Ça interagit avec des facteurs génétiques. Ça n'explique pas tout, mais c'est vrai que dans 40 à 70% des cas, quand il y a des gens addicts dans la famille, c'est un facteur de risque, mais ça n'explique pas tout. D'accord ? Ça interagit, et pour moi la maladie addictive c'est une maladie environnementale, ça interagit avec l'environnement. C'est-à-dire les copains, le stress environnemental, les produits disponibles, les comportements disponibles. Et maintenant vous voyez bien que quasiment tous les produits sont disponibles et tous les comportements sont disponibles sur Internet. D'accord ? Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et ça interagit avec des facteurs neurobiologiques, je vous en ai parlé en long, en large et à travers, c'est tous les cerveaux. Mais pour être addict, il faut que ces 5 cases... soit déséquilibré. D'accord ? Il n'y a pas une seule case qui explique quelque chose. Par exemple, quand on dit « Ouais, tu traînes avec des fumeurs de shit qui boivent de l'alcool », ça n'explique pas tout. « Ouais, ton père ou ton grand-père était alcoolique », ça n'explique pas tout. D'accord ? C'est ces 5 facteurs-là mis ensemble, qui interagissent ensemble. Et vous voyez le curseur d'ailleurs, c'est tout rouge quand tout est touché. D'accord ? Et c'est là qu'on a un gros risque d'être addict. D'accord ? Et nous, en termes d'idées de prévention, il faut qu'on agisse sur la case développement, sur la case comportement et sur la case environnement. La génétique, on ne peut rien faire. La neurobiologie, ça découlera de notre action sur les 3 cases. Et je vous dis ça parce que c'est jamais fait. Les campagnes de prévention qu'il y a, qui sont minimes, c'est fait souvent sur un peu d'environnement ou un peu de développement. D'accord ? Et ça ne fonctionne pas. Et j'utilise, moi, ma métaphore, l'addict arbre, pour vous expliquer l'addiction. En fait, l'addiction, il faut vous imaginer que vous voyez un arbre
et les branches. Chaque branche représente une substance ou un comportement. Donc, quand on voit des patients et des patientes en consultation, eh ben, ils viennent pour une branche, ou deux, ou trois, ou quatre. Mais le problème, c'est qu'il faut traiter les racines. D'accord ? Et vous voyez, dans les racines, il y a plein d'éléments, du traumatisme, de l'abus, des symptômes émotionnels négatifs, des troubles cognitifs, etc. Sans traiter les racines, on peut toujours traiter des branches, mais ça ne fonctionne pas, en fait. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, on ne devient pas addict comme ça, on passe par différentes étapes. La première étape, c'est l'usage simple. L'usage simple, c'est quoi ? C'est ça fait plaisir, je bois un verre avec des amis. L'usage simple, c'est je fume une cigarette à la pause de mon travail. D'accord ? Ça ne pose pas de conséquences. L'étape d'après, c'est la consommation excessive. C'est qu'il y a encore du plaisir dans une consommation excessive, mais avec des dommages et un début de déplaisir. En gros, c'est je fais une grosse fête, je suis ivre, je prends ma voiture et je l'abîme un peu. Ou j'ai un petit accident sans gravité. Voilà. L'addiction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure depuis le début. Donc, c'est, si je résume, c'est perte de contrôle, perte de motivation, recherche de récompense, malgré les conséquences, perte de plaisir. D'accord ? Et n'oubliez pas, dans le cerveau, feu vert. C'est ça, l'addiction. Et c'est extrêmement complexe parce que ça fait interagir des symptômes comportementaux, des symptômes pharmacologiques, et il y a des répercussions sociales et médicales. Okay. Et pour que vous reteniez bien bien les addictions, j'ai un moyen mnémotechnique qui est les 5 C. Premier C, perte de contrôle. Deuxième C, craving, cette envie irrésistible de consommer. Troisième C, je suis compulsif, hein, je ne peux pas m'empêcher. Quatrième C, consommation continue. Dernier C, conséquences sur la vie psychique, physique et sociale. Ok ? Ça va ? Vous n'avez pas faim ? Alors je vous montre un cerveau. Et en fait, si ça c'est une théorie récente que j'ai développée, des lectures que j'ai eues et des interactions avec les patients. Donc l'addiction, en fait, c'est très très complexe. Donc il y a d'abord une altération des émotions et de la mémoire, on l'a vu. Il y a ce craving, cette envie de consommer. Et quand on a envie de consommer, on souffre. Hein. Quelqu'un qui a envie de consommer, qui ne peut pas consommer, il est mal. Et la seule solution qu'il a, lui, c'est aller chercher un produit, hein, ou se connecter, etc. Et il va consommer pour diminuer cette douleur, et ça ne résoudra rien. L'étape d'après, c'est donc ces rituels, ça entraîne des modifications dans le cerveau. L'étape d'après, c'est ben, je consomme de manière continue. L'étape d'après, c'est mes circuits cérébraux, je vous les ai montrés, ils ne fonctionnent plus pareil. Et hop, c'est l'addiction. En fait, c'est une boucle, sans arrêt. D'accord ? C'est du non-stop. Et en fait, quand on traite les malades, on essaye de couper les boucles. Ok ? Je passe directement à cette idée de traitement. Quand on va traiter une addiction, il y a vraiment 4 questions qu'on se pose. C'est 1, c'est quoi l'objectif de la consommation ? Est-ce qu'on va réduire sa consommation ? Est-ce qu'on va aller vers une consommation contrôlée ? C'est surtout dans la question d'alcool, chez les sujets peu dépendants. Mais vraiment, la cible forte, c'est l'abstinence. C'est l'arrêt de la consommation. Après, est-ce qu'il y a des syndromes de manque ? Donc ça, on va traiter. Est-ce que le patient est en danger ? Ben, on utilise les urgences, qui sont saturées partout. Ou est-ce qu'on va l'hospitaliser, un programme résidentiel ? Mais ce qui est capital dans la maladie addictive, c'est facile de désintoxiquer les gens. Le plus dur, c'est de prévenir la rechute. Et pour prévenir la rechute, c'est des combinaisons de stratégies avec des médicaments, des psychothérapies individuelles et de groupe. On va traiter les maladies associées, les comorbidités. On utilise les groupes d'entraide, les groupes d'autosupport, type alcoolique anonyme, etc. Et on a aussi de la chance d'avoir des patients experts, d'anciens addicts, qui se sont formés, guéris, qui se sont formés en addiction, addictologie, et qui deviennent patients aidants. Alors, ça aussi, c'est important à vous montrer, c'est que la guérison, il y a la théorie et la réalité. L'addiction, c'est une maladie cyclique, hein, c'est une maladie chronique. Et la théorie, ce n'est pas une droite rectiligne avant-après. La réalité, c'est ce truc un peu sinusoïdal qui part dans tous les sens, avec plein de rechutes. C'est ça la réalité de la maladie addictive. D'accord ? C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça qu'on n'arrive pas dès la première fois à guérir totalement un addict. D'accord ? On passe par des phases de rechute qui peuvent être multiples.
Si je rentre dans les substances maintenant, bah les substances actuelles, la photographie, c'est ça, c'est le cannabis. C'est un problème chez l'adolescent et la population vulnérable, psychiatrique par exemple. La cocaïne et le crack, hyper présent. C'est fini, la cocaïne, c'est la drogue de l'élite sociale, ça s'est terminé. Et le crack, c'est fini, c'est la drogue du sans-papier marginalisé à Stalingrad. Il y en a, d'ailleurs ça fait du bruit, mais il n'y a pas que. Moi je reçois des patients qui fument du crack et qui sont chefs d'entreprise. Oui. Cette idée reçue du crack aussi, on vous dit ouais, le crack, t'en prends une fois, t'es foutu, c'est pas vrai. D'accord ? Puisque ça suit exactement ce que je vous ai dit au début du topo. Ça s'installe doucement, etc. La MDMA, vous connaissez la MDMA ? L'ecstasy, c'est comme l'ecstasy, hein, ça vous parle ? Et bien, c'est une drogue populaire dans le milieu jeune et festif. Les opiacés, l'héroïne, il n'y en a quasiment plus. C'est quoi maintenant ? Ben, c'est les médicaments antalgiques, opioïdes. D'accord, tramadol et tout ça, ça vous parle? Ça, c'est devenu les nouvelles drogues. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'hôpital? On voit des gens qui n'ont aucun antécédent d'addiction, qui se sont fait opérer, du dos, de ce que vous voulez, ils se sont fait opérer, on leur a donné des médicaments, et certains sont devenus addicts à ces médicaments opioïdes qui se comportent comme l'héroïne. Vous avez aussi un marché de nouvelles drogues de synthèse qui existent sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des drogues synthétiques qui miment toutes les drogues connues. Il y a des drogues de synthèse. Par exemple, les catinones de synthèse, ça mime la cocaïne, les amphétamines, etc. Vous avez tout ce que toutes les drogues connues sont vendues sur Internet. Alors, je ne vous encourage pas à les acheter, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète, et c'est hyper dangereux. Mais ces drogues-là miment les drogues qu'on connaît. Et vous avez une autre drogue addictive qui est la méthamphétamine. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore, mais elle est apparue quand même en France. Et dans cette slide, j'aurais dû rajouter deux choses. Il y a le problème du protoxyde d'azote, les gaz hilarants. Vrai problème chez les jeunes, vrai problème. Et vous avez déjà vu hein, les cartouches dans les rues par terre, cartouches qui servent pour les siphons de chantilly, etc. Et l'autre problème actuel aussi qu'on a chez les jeunes là en ce moment, c'est le GHB, qu'on appelait la drogue du viol, mais c'est pas du tout une drogue du viol. GHB qu'on retrouve un peu dans les soirées, vous savez, ils mettent un peu de GHB, c'est du liquide, dans les verres des jeunes. Les jeunes boivent et ils savent plus où ils sont. D'accord. Deux nouveaux problèmes qui sont réapparus. Pour les comportements, bah, bien évidemment. Il y a tous les comportements qu'on a chez l'humain qui peuvent devenir addictifs. La sexualité, le chemsex. Donc le chemsex, c'est on mélange les drogues avec le sexe, c'est-à-dire qu'on prend des drogues pour être performant sexuellement. Il y a le trouble du jeu vidéo, l'addiction au sport, les achats pathologiques, le trouble du jeu de hasard et d'argent, l'addiction au sucre. D'accord ? Donc tous les comportements qu'on peut avoir classiquement peuvent être détournés au profit de la maladie. Je vous parle rapidement de cannabis, parce que c'est un vrai problème chez les jeunes. Je ne parlerai pas de dépénalisation et de légalisation, hein, même si je suis pour la légalisation contrôlée à partir d'un certain âge, etc., et dans certaines conditions, mais je ne parlerai pas de ça. Je vais parler du produit et des risques. Donc le cannabis, vous connaissez, vous avez sûrement fumé. Donc ça existe sous différentes formes, l'herbe, la résine, le shit, ou l'huile. Quand on fume un joint, ben, y a plein de choses dans cette consommation. Il y a quoi ? Il y a les agents du tabac, tous les agents cancérigènes, etc. Il y a le THC. Le THC, c'est ce qui est responsable de l'addiction au cannabis. Il y a dedans, il y a de la nicotine, puisque c'est mélangé du tabac, c'est responsable de l'addiction au tabac. Et surtout, il y a le comportement de consommation. Quand vous fumez un produit, la combustion du joint entraîne du monoxyde de carbone, du CO, et ça attaque votre sang et vos muscles. D'accord ? Et ce cannabis, avec cette addiction, quand vous fumez, ben, ça entraîne un phénomène d'intoxication. D'accord ? Ça arrive dans les deux heures qui suivent la consommation. Et vous voyez, il y a toute une cinétique. Hein, dans les 5-10 premières minutes, vous avez le cœur qui bat vite, la bouche sèche, des nausées. Certains peuvent avoir des angoisses, de la peur. Entre 20 et 60 minutes, il y a des signes thymiques. On est euphorique, on rigole, on est apaisé. Et certains vont dormir. Et après 60 minutes, il y a d'autres signes qui apparaissent. Et pour certains, ça peut être des symptômes délirants et ils se retrouvent aux urgences. Pour d'autres, ça peut être des hallucinations. Et pour d'autres qui n'ont pas de symptômes psychiatriques de ce type-là, ben ça peut être juste une modification de la perception du temps et de son corps. D'accord ? Quand on fume un joint, il y a des effets à la fois. Quand on fume un joint de manière répétée, il y a des effets du cannabis et du tabac. Avec des risques pour la santé.
pour le cœur, il y a des risques d'AVC du cerveau. Il y a ce qu'on appelle le syndrome hyperémétique, c'est des gens qui fument depuis longtemps et qui vomissent non-stop, ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent. Et en fait, ils vont voir le médecin généraliste fait un bilan pour les vomissements, il revient normal, il donne des petits traitements pour les vomissements, ça calme pas. Il fume, il fume, il fume, il vomit. Il prend un bain chaud, une douche chaude, il vomit moins. C'est étonnant quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le cannabis qui entraîne ce syndrome de vomissement. D'accord? Et l'arrêt du cannabis va arrêter ce syndrome. Alors que les gens sont embarqués dans des bilans sans arrêt, mais il faut faire ces bilans avant de poser ce diagnostic. Bien sûr, fumer, ça entraîne des bronchites qui peuvent être chroniques, des cancers, et il y a des conséquences aussi gynécologiques et obstétricales pour les mamans fumeuses. Ça entraîne des troubles psychiatriques, d'accord? Et des troubles addictifs. Donc, troubles psychiatriques, il y a tout ce qu'on connaît en psychiatrie. De la dépression, il y a un risque suicidaire. Il y a un syndrome motivationnel, les sujets ne sont plus motivés pour rien du tout, ils font que fumer. Il y a des crises d'angoisse, il y a des syndromes de dépersonnalisation, on a l'impression que son corps sort de son corps, c'est horrible. Il y a des troubles cognitifs, la mémoire, l'attention, la concentration. Il y a des états délirants, il y a des symptômes paranoïaques, il y a des hallucinations. Mais le cannabis ne rend pas schizophrène et le cannabis ne rend pas bipolaire. Le cannabis va réveiller ou révéler ces maladies psychiatriques. C'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui délire et qui fume, il faut qu'il soit pris en charge sur d'abord la question du délire et en même temps le cannabis. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait qu'un versant. Le plus souvent, c'est les demandes des parents, etc. C'est il fume du cannabis, il est addict au cannabis. Non, il y a ce problème psychiatrique qui est là. Et il faut vraiment le traiter, le dépister pour voir si ça évolue pas en schizophrénie, par exemple. C'est hyper important. Voulez encore une drogue ou deux? Quelle drogue vous souhaitez? Je vous propose de la cocaïne. Enfin, je vous en parle, hein, je ne vais pas vous en donner. Vous voulez un peu de cocaïne? Non, j'ai demandé au maire, à monsieur le maire. Monsieur le maire, de la cocaïne? Ah, l'alcool, j'en ai pas. Je vais voir si j'ai de l'alcool. Ah, j'ai des cathinones de synthèse. Je peux parler d'alcool sans slide. Hein. Non, mais je vais parler d'alcool sans slide. Je peux le faire. L'alcool, donc c'est générationnel l'alcool, c'est. Ça, je retire parce qu'on ne va rien comprendre. Voilà. Ah bon. L'alcool, donc générationnel. Vous avez l'alcool chez les jeunes, c'est plutôt ce qu'on appelle du binge drinking, donc c'est des alcoolisations paroxystiques. Ils vont consommer beaucoup d'alcool en groupe, dans un temps mineur, très court, pour être ivre. C'est ça le but du binge drinking. Et le problème de ce binge drinking, c'est que. Ils vont répéter ça en groupe. Ils utilisent les réseaux sociaux maintenant pour se retrouver. Et c'est vrai qu'avec le Covid, etc., il y a eu des restrictions, etc., mais ça n'a pas empêché les fêtes dans des appartements, etc. Donc l'idée, c'est qu'ils boivent vite pour être ivres vite. D'accord? Il n'y a pas de je bois un verre pour le plaisir. Il n'y a pas d'idée de plaisir, il y a l'idée d'ivresse. Le binge drinking entraîne des conséquences qui peuvent être des accidents de la voie publique, des agressions sexuelles, ça peut être des crises d'épilepsie, ça peut être des pertes de connaissances. Vous voyez, en gros, c'est ça. Le binge drinking, plus on commence tôt, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, comme le cerveau, son architecture n'est pas finie, eh ben, ça agresse le cerveau. Et qu'est-ce qu'on voit sur le binge drinking avant 15 ans? Eh ben, ça entraîne des conséquences sur l'apprentissage, déjà. D'accord? Donc, il y a des conséquences cognitives majeures. Après, à l'âge adulte, donc il y a très peu d'ados qui deviennent addicts à l'alcool. Il y en a très très peu. C'est ceux qui sont vraiment très très vulnérables. Mais dans l'idée de prévention, faire de la prévention sur le binge drinking. Chez les adultes, l'addiction à l'alcool, ben, ça va être les 5 C, ce que je vous ai dit. C'est tout ce que je vous ai raconté, ça va être ça, mais vous mettez juste le mot alcool. D'accord? Perte de contrôle avec l'alcool, envie irrésistible de consommer, usage régulier et continu. Je bois malgré les conséquences, j'ai des conséquences physiques sur mon foie, j'ai des conséquences sur mon cœur, etc. Je continue à boire, sur mon pancréas, tout ce que vous voulez. Je suis anxieux, je pense que si je bois, je vais être moins anxieux, je suis encore plus anxieux. Je bois pour essayer de dormir, j'arrive plus à dormir, etc. etc. Et pour l'addiction, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut qu'il y ait au moins un an de symptômes. D'accord? Quelqu'un qui va boire comme ça pendant 3 mois. C'est des consommations excessives, d'accord? Pour être addict, faut qu'il y ait tous ces symptômes,
pendant au moins un an. Et après, il y a tout ce que je vous ai dit. Ben, le traitement, on va désintoxiquer les gens en alcool. Il faut travailler la motivation des gens, parce que vous vous rappelez que dans le circuit de la motivation ne marche plus, donc ils ne sont pas motivés. Donc, on va essayer de retravailler cette motivation avec des thérapies. On va leur donner des traitements pour qu'il n'y ait pas d'accident, de sevrage, d'arrêt de la consommation. Une fois qu'on les a désintoxiqués, ça ne suffit pas. Il faut faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est prévenir la rechute. Et là, on est dans le soin. Donc, une approche médicamenteuse, psychologique, des groupes de parole, de la psychothérapie de groupe, etc. D'accord ? Donc, dans l'alcool, voilà la situation. Et l'alcool, c'est la deuxième cause de mort évitable dans le monde, le tabac étant la première cause de mort évitable. Voilà. Et alcool et tabac sont souvent liés. Donc, dans l'idée de prise en charge, il faut prendre à la fois le problème d'alcool et à la fois le problème de tabac. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous parler de cathinone de synthèse, ça on le fera lors d'une conférence. Je vous laisse. Il y a mon podcast qui s'appelle Addiction, si ça vous intéresse, qui est tous les vendredis. Il est en ligne avec un nouvel épisode tous les vendredis. Demain, il y aura un épisode sur toutes les plateformes. Et puis, il y a mes coordonnées si vous avez des questions particulières. Je vous remercie pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas une seconde. L'idée étant de savoir où est la limite à fixer et chez des individus, souvent jeunes, qui sont seuls, qui vivent seuls, là où le phénomène a été exacerbé par l'isolement de ces deux dernières années, on constate, alors c'est très personnel, hein, ce sont des points de vue personnels, on constate que certains arrivent un petit peu défoncés le matin, ouais. Ou à la mi-journée, au contraire, nous semblent avoir bu. Il y a quand même un rôle d'accompagnement de la sphère RH, voire des collègues de ces personnes. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? La première stratégie, c'est, merci pour votre question, la première stratégie, c'est il faut sensibiliser toute l'entreprise, déjà, le premier point. Après, il y a des niveaux, il y a des strates. Il faut que les managers, ou les RH, etc., soient formés au repérage, mais on ne leur demande pas de traiter les gens, juste de repérer et de savoir comment leur parler. La médecine du travail doit intervenir aussi. Et après, il y a un travail en réseau qui s'effectue, en fait. Travail en réseau, c'est qu'on va travailler RH, enfin manager, médecine du travail, avec la médecine de ville et la médecine addictologique, par exemple. Mais la première étape, c'est sensibiliser toute l'entreprise, peu fait, hein, alors qu'on n'arrête pas de le dire. Et après, formation des managers, et aussi à formation des chefs d'entreprise. C'est vraiment la première étape. Très bien, je vous remercie. J'avais une deuxième question, s'il vous plaît. J'ai été très marquée dimanche dernier par cette émission que j'ai vue sur M6 sur, je ne sais pas si c'est le thème addiction, mais ce phénomène sociétal chez les jeunes, voire les très jeunes, jeunes filles ou jeunes hommes, mais plutôt les jeunes filles, qui, via un réseau social, se retrouvent à déposer des photos nudes. Ah oui. Et j'avoue, hein, à 60 ans, que je ne m'attendais pas à voir ça. Ouais. C'est latent, c'est sourd, et pourtant, c'est leur quotidien. Donc, c'en est une addiction ou pas ? Dites-nous comment on peut, nous, adultes, appréhender ça. Alors, et le percevoir chez nos enfants, petits-enfants, ouais, etc. Déjà, il faut en parler avec eux très tôt de ça, des nudes. Enfin, des nudes, c'est des photos nues, hein, des parties de corps ou de corps entier. Diffusion de vidéos. Le porno en streaming, il faut leur en parler, mais ils savent, ils sont au courant de toute façon, puisque ça circule dans les écoles, etc. Donc ils savent. C'est de plus en plus jeune, hein, c'est niveau CM2, hein, le porno en streaming. 9-10 ans, oui, ouais, j'ai vu 9-10 ans. Donc tous ces éléments-là, il faut en parler avec eux. On n'est pas au stade de l'addiction, en fait. On est au stade du risque plutôt de cyberharcèlement, de ce qu'on appelle revenge porn. Revenge porn, c'est je t'envoie des nudes. On s'entend hyper bien, etc. Ok, super, je t'envoie des nudes, tu m'envoies des nudes. Mais maintenant, on peut plus se blairer. Donc, les nudes, je vais les diffuser à tout le monde. Ça s'appelle du revenge porn. Et c'est puni par la loi, d'ailleurs. Mais avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Hein. Il y a eu des cas comme ça de sextape fait par des couples. Les couples se séparent et puis
un des membres du couple, surtout souvent des hommes, diffuse sur les plateformes de streaming de haute publication. Ça aussi, ça passe par la prévention. Et ça, il faut en parler en prévention chez les jeunes. Et en tant que parents, en tant que grands-parents même, il faut, enfin, c'est plutôt les parents, mais ou les grands-parents, ça ne contre-indique pas, il faut dialoguer sur ça, en fait. Sur attention à ce que tu fais avec ton corps, comment tu ne diffuses jamais, tu ne donnes pas d'informations, attention aux réseaux sociaux, attention à qui te parle sur les réseaux sociaux, etc., etc. Est-ce Et qu'on même est le porno, il faut leur dire. déjà dans un comportement addictif ou plutôt c'est un phénomène sociétal de cette frange de population qui finalement suit un mouvement? C'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement. Le comportement addictif, c'est vraiment de la consommation pour ne pas souffrir, en fait. Mais ça peut le devenir, si vous voulez. Certains qui font ce type-là d'activités sexuelles en ligne, ça s'appelle comme ça. Certains qui, parce que les activités sexuelles en ligne, normalement, c'est pas pathologique. C'est-à-dire que il y en a plein d'activités sexuelles en ligne. Il y a faire des sextos, voir du porno en streaming, aller sur des cams sexuelles, etc., etc. A priori, ça pose pas de problème. Mais dans une petite frange de la population qui est vulnérable, avec les cases que je vous ai montrées, eux, ils vont devenir addicts. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça. Pas pour se faire plaisir, en fait. N'hésitez pas. Les hommes qui passent à l'acte violent contre leur femme ou contre une femme, souvent ils sont alcoolisés. Et donc le lien entre le fait de s'alcooliser et de passer à l'acte de violence. C'est Tout un le monde. facteur. Voilà. Alors, ça rentre pas forcément dans la question de l'addiction à l'alcool, mais ça peut. Ça rentre plutôt dans la question de l'intoxication alcoolique aiguë, c'est-à-dire que ils sont ivres et il y a passage à l'acte. Mais il faut pas mettre tout sur la tête de l'alcool, en fait. C'est-à-dire qu'il y a probablement des problèmes sous-jacents aussi, d'ordre psychiatrique, d'ordre paranoïaque, par exemple, etc. Et souvent, je pense qu'il faut pas faire la corrélation que avec l'alcool. Souvent, il y a d'autres substances incriminées. Tu vois, il y a la polyintoxication aussi. Donc c'est ces éléments-là. Mais il faut le prendre en considération. Et du coup, j'en profite d'avoir le micro. Je sais qu'il y a plusieurs autres conférences, et notamment avec Martine, qui ont été évoquées. Quand je t'écoute sur les addictions, notamment au cannabis, pour prendre celle-là, mais tout ce qui va toucher à la jeunesse, c'est vrai que ça donne envie de travailler. Et comme on est, j'espère, avec toi sur plusieurs années d'une culture dans notre ville de travail, de prévention, je me disais que voilà, on a quatre collèges, on a un lycée. Et que Faut y ça donne aller. envie d'avoir des partenariats, et quand bien même c'est pas de la Bien sûr. compétence d'une ville, c'est le département, la région, mais on n'est pas dans cet état d'esprit, nous. Comment il y a un travail à faire dans la durée qui soit pas justement un coup. Ouais. Et d'ailleurs, s'il y avait un choix pour commencer, plutôt collège, notamment sur le cannabis, plutôt lycée, ça c'est une première question, hein, de ce qui peut être envisagé, et notamment sur le cannabis. Il y a parler aux jeunes, et puis il y a le comportement parental. Et souvent, le risque pour les adultes et les parents, notamment, c'est de tomber dans un comportement que le jeune va vivre comme moralisant et qui a peu de chance, à mon avis, d'avoir des faits. Et donc, voilà, première question sur la prévention en milieu scolaire, et nous, on a de quoi faire, hein. Et deux, quels conseils tu donnerais aux parents? Alors, déjà, il faut que sur un programme comme ça, il faut que les acteurs de terrain soient formés, tous les acteurs de terrain, pas que médicaux, hein, du médico-social, du social, éducateurs, etc. Enfin, eux, il faut qu'ils soient tous formés avec le même discours. Moi, je pense qu'il faut toucher le collège, mais aussi le lycée, parce que c'est deux populations différentes. Le collège, ils n'ont pas encore, ou ils débutent l'expérimentation. Le lycée, ils ont déjà expérimenté, c'est-à-dire ils ont déjà goûté au moins une fois. Donc c'est deux populations à deux différents âges et ça permet un peu de comparer les actions qu'on peut faire. Pour les parents, c'est bien que tu le soulignes, c'est vrai que, ben, il faut aussi sensibiliser les parents en même temps. C'est important.
C'est-à-dire que c'est un message qui est envoyé aux collégiens, aux lycéens, dans un temps de collège et de lycée, et un message qui est envoyé aux parents, en parallèle. Les messages aux parents, c'est s'il y a un seul truc à dire, c'est il faut jamais rompre le dialogue quand on découvre du cannabis, une consommation chez son enfant. Il faut en parler ensemble, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas banaliser. Il faut vraiment savoir pourquoi il y a cette consommation, mais surtout, plus que ça, il faut savoir pourquoi il y a cette consommation, comment il se sent, etc. Donc l'idée, c'est une idée de dialogue parents-enfants. Et si on est dépassé, si c'est résistant, il faut se faire aider des professionnels. Des consultations jeunes consommateurs ou des consultations en centre municipal de santé, etc. C'est ça l'idée. Oui? Comment faire pour vraiment s'apercevoir que vos enfants consomment? Parce que bon, les ados, il y a des comportements qui sont ce qu'on connaît, aussi bien en tant que parent ou même en tant qu'éducateur. J'étais enseignante en lycée et j'ai vécu à retardement une situation extrêmement pénible d'un élève assez faible, je veux dire psychologiquement, qui a été abusé par d'autres élèves. Il y a eu un tournage de films à caractère pornographique et après il y a eu diffusion sur les réseaux. Harcèlement du garçon. Or, véritablement, même en suivant, je veux dire, sa classe et autres, avec aussi bien les surveillants, enfin l'encadrement, rien n'avait émergé. Et donc, on s'est rendu compte de la chose une fois que le mal était fait. Hein ? Donc, comment faire sans être en alerte, je dirais, permanente, comment s'apercevoir des choses? Il n'y a pas de symptômes spécifiques. Si vous voulez, c'est souvent des changements de comportement qui, chez un ado ou un jeune, qui vont donner des signaux. Ça peut être des signaux d'addiction, ça peut être des signaux de psychiatriques. Il y a peut-être des signaux aussi de maltraitance, comme vous l'avez indiqué. Donc il n'y a pas de signes spécifiques pour ça. C'est... Quand on est sensibilisé déjà à ces problèmes-là, on sait que s'il y a ces petits troubles du comportement, il faut aller rechercher les choses. Si on ne recherche pas, ben ça continue en fait. Là, dans la situation que vous décrivez, c'est une situation quand même un peu grave et extrême. Elle est plutôt rare, mais ça existe. Mais en gros, c'est quand on est parent ou grand-parent, c'est le comportement de mon fils ou de ma fille a changé. À l'école, il dort moins, où il dort moins, il a de mauvaises notes alors qu'il avait des bonnes notes, il sort avec des gens bizarres, il se replie sur lui-même, il passe son temps dans sa chambre enfermée sur son écran, etc. Tous ces éléments-là doivent alerter sans s'inquiéter. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut questionner sur les choses. Après, les enseignants qui repèrent, il y a des enseignants qui peuvent repérer, c'est difficile pour eux de se dire qu'est-ce que je fais de ça, il faut qu'il soit sensibilisé aussi. Après, l'action, ce n'est pas une action thérapeutique, c'est une action préventive. Après, c'est un travail collaboratif, en fait. Bonsoir, Monsieur Carilla. Bonsoir. Donc, moi, j'ai une question, en fait. Enfin, c'est plus un conseil. Quand on a une personne dans notre entourage qui est addict au cannabis, par exemple, et qui refuse son addiction, enfin, qui n'assume pas, quelle est la première étape à faire pour l'accompagner, l'orienter vers un dispositif de soins? C'est extrêmement compliqué, en fait. Extrêmement compliqué. Surtout s'il est majeur. Extrêmement compliqué. L'idée, ben, c'est de continuer à dialoguer avec et ne pas parler que du cannabis et pas que parler que du problème, mais parler de pourquoi
je trouve que ton comportement a changé, je trouve que tu te sens moins bien, est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent, plutôt sur ces éléments-là. Et après, tout doucement, viens, on va ensemble à la consultation chez notre médecin généraliste, ou viens, on va ensemble à une consultation dans un centre où ils prennent en considération les consommations. Mais ça peut être très très long. En fait, moi, je vous donne des exemples. Je soigne beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec l'alcool, et des femmes plutôt seniors même, c'est très compliqué pour elles de se dire, je suis alcoolodépendante, je suis addict à l'alcool. Donc elles viennent me voir, elles sont adressées par un membre de la famille. Très difficile pour elles quand je leur dis, je crois qu'il va falloir que je vous hospitalise pour vous sevrer. Très difficile. Ça peut mettre souvent plusieurs mois avant qu'elles décident. Et il y a cette idée de la personne qui décide à un moment, ça devient plus facile, mais il faut prendre du temps. Et ça peut être très pénible pour la famille. Mais c'est un mode d'action à entreprendre. Mais ça peut être compliqué. Après, les plus jeunes, moi, je les envoie plutôt sur regarde ce YouTube, tiens, il parle du cannabis, regarde ce podcast, etc. Ils vont se voir sur ces réseaux sociaux, il y a des informations. Ça peut aussi, ça peut aider les jeunes, ils sont très sensibles à ça. Oui. Centre hospitalier, privé ou public, il y a une unité de prévention des addictions. Il y a des unités de soins des addictions, pas de prévention. Non, je parle bien de prévention, Non. parce que c'est pas, Non. ça pourrait être corrélatif, mais. Non. Il y a, si vous voulez, les centres addictologiques peuvent faire de la prévention, mais il n'y a pas de grande formation de prévention. On manque de cette action-là en France, en fait. On manque beaucoup de ça. Ça veut dire que c'est à la fois à tous les niveaux de société, je pense à Monsieur le maire pour la commune, aux écoles, de s'engager volontairement dans ce dispositif, en parler. Quand Ah je oui. parle prévention, c'est en parler Complètement. pour C'est peut-être la base de la ouvrir. prévention, c'est sur le grand public, c'est sensibiliser, informer, répéter, et après sur les professionnels autour, c'est les former, en fait. C'est les former à avoir un discours commun, en fait. C'est ça. Et en fait, comme disait Monsieur le maire, c'est du one shot, ça sert à rien, quoi. On peut faire des actions, mettre des millions d'euros. On voit souvent, vous voyez souvent des campagnes. Attention, la MDMA va tuer vos jeunes. Ils ont mis des millions d'euros dans la campagne. Et ok, alors, il n'y a rien derrière, quoi. Ça sert à rien. Comme une campagne cannabis au volant. Ok, on sait que le cannabis au volant, c'est dangereux, mais derrière, faut il faut qu'il y ait des choses qui soient faites. On sait que le cannabis, ça peut être dangereux, etc., etc., mais ok, qu'est-ce qu'on fait? Une question, il y a une question là-haut. Moi, j'avais une question sur les addictions aux écrans dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, je suis enseignante sur la ville et je me retrouve il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, un papa qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, j'ai ma fille qui a 6 ans, je lui enlève le téléphone comme vous m'avez demandé, elle pleure, elle crie. J'ai du mal, enfin, à résister, etc. Et j'ai l'impression que la question des écrans, elle commence très très tôt maintenant, Oui. 1, 2 ans, ça, on les voit. Et du coup, quand ils grandissent, bah, aujourd'hui, on se rend compte que à 6 ans, bah, ils ont du mal à rentrer dans certains apprentissages parce que c'est plus aussi dynamique qu'un écran. Et je voudrais savoir comment faire. Alors, il n'y a pas d'addiction chez les jeunes, en fait. C'est des comportements d'hyper usage, de comportements excessifs. Ce qui se passe chez les petits-petits, c'est, en fait, c'est le modèle parental. S'ils donnent des écrans très tôt, bah, c'est plaisant. Le cerveau pas formé, bah, ça lui fait plaisir. Donc on dit en gros, pas d'écran avant 3 ans, en gros. En gros, pas de smartphone ou de tablette, etc. Après, c'est un usage qui doit être très très contrôlé, mais c'est les parents qui doivent apprendre à contrôler les choses. Là, le cas que vous décrivez, c'est probablement une petite fille qui a un usage illimité d'écran. C'est-à-dire qu'on donne l'écran, enfin je ne veux pas diaboliser le père, hein, mais l'idée de l'écran, ben, il donne l'écran comme moi j'appelle ça les écrans nounous,
C'est-à-dire que, ok, bah, tiens, voilà un écran, regarde ce que tu veux, etc. Et c'est là où il doit y avoir une vraie éducation des parents par rapport à ça. C'est le modèle parental qui doit jouer sur ça. Or là, c'est si on donne de l'écran, après quand ils sont rentrés dans de la consommation d'écran, et ben ouais, ben ça va les ennuyer, ils peuvent faire des crises de colère, etc. quand on leur retire cet écran. Donc il faut, là le conseil à donner à ce papa, c'est il faut qu'il continue un peu l'écran et il diminue tout doucement l'écran, mais aussi il faut qu'il s'investisse dans du jeu face à face, ou bien qu'il aille aussi avec sa fille voir ce qu'il y a sur les écrans, etc. Mais il n'y a pas d'addiction, donc. Il n'y a pas d'addiction chez les enfants aux écrans. C'est un terme qui est surutilisé, en fait. L'addiction, c'est ce que je vous ai décrit. Perte de contrôle, craving, usage continu, des conséquences, etc. Il n'y a rien sur le cerveau. Ça touche un peu le cerveau, comme je vous l'ai dit, parce qu'il n'est pas mature, mais il n'y a pas d'addiction chez l'enfant ou chez l'adolescent. C'est de l'hyperconsommation, qui peut devenir pathologique, mais c'est de l'hyperconsommation. Un enfant qui est addict à un écran, enfin, un enfant qu'on dit addict à l'écran, comparez-le à un adulte addict à l'alcool, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le terme de la maladie. Hein. On a tendance à dire ouais, ils sont addicts aux écrans, mais c'est pas très vrai. En fait, ils sont addicts même pas à l'écran, ils sont addicts à ce qu'il y a derrière l'écran. Oui. Et il faut prendre en considération plein de choses chez les jeunes, c'est qu'ils ne regardent plus la télé, et YouTube, c'est leur télé. Et TikTok, c'est leur réseau social d'intérêt. D'accord ? Et il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc il y a une vraie éducation à faire sur ce côté-là. Mais ça, il faudrait la faire. Ce n'est pas fait. On donne des conseils comme ça et tout, mais ce n'est pas fait. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sur les écrans... Il y a ce que vous avez dit, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des familles, des foyers où la télévision fonctionne en permanence. Tout à fait. Et donc là, c'est pas sur le smartphone, c'est pas sur la tablette, c'est des stimuli sonores, visuels qui n'ont aucun sens pour les petits et qui les bombardent. Tout à fait. Et bon, voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, un autre sujet, c'est annexe à votre conférence, mais c'est un sujet en débat dans la société. Que pensez-vous de la dépénalisation de la consommation de cannabis? Puisque c'est un sujet qui est posé par certains mêmes candidats aux élections présidentielles. Alors, la loi de 70 est complètement désuète, honnêtement. La loi comme ça de 70, elle n'est pas fonctionnelle. Je pense au regard... Moi, je suis pour la légalisation contrôlée du cannabis, en tant que professionnel de santé. Hein. C'est-à-dire qu'on a assez d'arguments pour dire, notamment des arguments d'imagerie cérébrale, clinique, etc. On peut dire que après 25 ans, on peut envisager une légalisation contrôlée en petite quantité, avec un contrôle qui va de la production initiale à la vente finale, chez des sujets qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, chez des sujets pathologie psychiatrique chronique, chez des sujets... Il faut éviter la conduite automobile, la conduite de véhicule, en gros. Mais on peut l'envisager, la légalisation contrôlée, en petite quantité. C'est fonctionnel. On a des exemples dans différents États. Et certains États d'Europe aussi commencent à penser à ça, l'Allemagne, etc. Donc, ils y sont presque, d'ailleurs. Donc, on a des résultats intéressants avec la légalisation contrôlée. Je ne vais même pas la dépénalisation. Pour moi, il faut aller plus loin, en fait. Voilà. Donc légalisation contrôlée, après 25 ans, petite quantité, contrôle de l'État, l'argent généré, on a le modèle californien qui est hallucinant, c'est-à-dire que l'argent généré par cette vente-là va nous permettre d'augmenter nos recherches dans les maladies et va nous permettre aussi d'augmenter nos soins dans les maladies. Ça génère énormément d'argent, le business du cannabis, donc c'est un point, à mon avis, qu'il faut discuter. Alors là, tous les candidats, ils sont tous éparpillés quand même. Rebondir sur cette même question, dans l'addiction, il y a une notion d'excès. Or, si vous dites après 25 ans,
C'est déjà compliqué parce que bon, il y a une tentation de l'adolescent de vivre ce que vit un adulte. Tout à fait. Bon. Donc déjà, après 25 ans, comment faire ? Après, vous dites contrôle de la production jusqu'à la consommation. Ok, d'accord, j'entends, la vente légale, ça évitera tous les trafics. Ça, j'approuve et autres. Mais je veux dire, après, demander que les gens ne conduisent pas et autres, c'est-à-dire qu'il y ait un certain nombre de, je veux dire, d'actions qu'on doit s'empêcher de faire si on accepte l'idée de la consommation légale. Est-ce que vous pensez que ça, est-ce que vous ne pensez pas que dans la, dans le dépassement de la loi, il y a quelque chose, il y a une frénésie, il y a quelque chose de jouissif qui fait que dans la légalisation, ça aura moins d'intérêt? Bon, on l'a vu dans les autres États. Dans les autres États, ça fonctionne. Moi, je prends comme modèle le modèle californien. C'est légalisé. C'est des quantités qui sont bien standardisées, bien contrôlées, etc. Il n'y a pas plus de jeunes qui vont fumer. On le voit. Hein. Les jeunes ne vont pas être plus tentés. Et pareil, les jeunes ne vont pas être plus tentés d'aller consommer d'autres drogues. Vous voyez, parce qu'on se dit c'est légalisé, ils vont prendre de la cocaïne, etc. C'est pas très vrai, ça. Donc c'est, ou au Canada, il y a une belle politique. Après, il faut vraiment que ce soit très, très cadré, quoi, cette politique-là. Parce que nous, on voit notre politique en France par rapport au cannabis, c'est une catastrophe. Nos jeunes sont les plus gros consommateurs d'Europe. C'est une catastrophe. Le système prohibitif, c'est une vraie catastrophe. Et on sait que le cannabis, c'est délétère chez les jeunes, mais globalement, un petit peu de cannabis sur un cerveau formé de quelqu'un qui a peu ou pas de problème grave, eh ben c'est peu négatif, en fait. Je ne vous encourage pas à aller fumer du cannabis, hein, mais c'est pour vous dire que cette question-là, c'est une vraie question. Moi, je voudrais revenir sur la formation, puisqu'on a, quand même, à côté de ces conférences, donc on a engagé avec Laurent deux cycles de formation pour les policiers municipaux et les médiateurs, et pour les animateurs de maisons de quartier. J'aimerais bien qu'avec Michel, on mette en place, au moins pour l'école primaire, des choses, et le collège, parce qu'effectivement, à la suite des conférences qu'on a vues l'an dernier, on a mesuré qu'il fallait absolument un suivi. Et puis, je ne désespère pas qu'on ait au centre de santé par mois de quelqu'un qui puisse accueillir les gens, parce qu'il y a détecté le problème, mais aussi que les gens puissent essayer d'aller voir quelqu'un. Parce qu'il y a aussi, des fois, je vois beaucoup de gens qui disent oui, je pense à m'arrêter de fumer, j'y pense. On sait que c'est une... Moi, j'ai été fumeuse, je sais que le temps que je me mette à arrêter de fumer, je me suis dit, bon, c'était une démarche personnelle. Hein, parce que rien n'est facile. On parle bien des patchs, on parle de la cigarette électronique. Moi, je me rends compte Que ça soit un programme. Voilà. Et puis que accompagner, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a cette démarche. Et il y a des gens qui essaieraient d'aller tout seul, peut-être, voir la personne adaptée, anonymement. Enfin, c'est quand même important. Donc, on va démarrer le programme de formation. Et je pense que c'est important que, sur le repérer des fois ce qui se passe, effectivement, moi, à la sortie d'école, hein, moi, je pense que les médiateurs, ils devraient faire les sorties de collège, parce que c'est là qu'on voit beaucoup de choses. Hein. Quand on revient de la mairie, on s'arrête au feu du quick, là. Il y a quand même des choses qu'on repère très, très facilement. Hein. Donc, on voit des choses. Et on a, du coup, quand on entend tout ça, une responsabilité, parce que nous sommes tous éducateurs, même si on n'a pas... même si on n'est pas enseignant, même si on n'est pas parent, même si on n'est pas grand-parent. La société, elle a une responsabilité envers les jeunes. Donc, je pense qu'il faudrait qu'effectivement, les formations, on y travaille beaucoup plus sur nos agents, sur nos collègues. Enfin, voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois de manière virtuelle pour le prochain cycle. Donc on a dit avec Martine Soavi que ce serait une conférence plutôt le jeudi soir, enfin en début de soirée, pardon.
vers 18h45, avec comme ça un petit topo après des questions en virtuel, plutôt le deuxième, a priori le deuxième ou le troisième jeudi de chaque mois. Voilà. Et en tout cas, je remercie la mairie de Corbeil-Essonnes pour l'action que vous faites là, parce que c'est une vraie action, qui n'a jamais été faite dans la France. Et croyez-moi, j'en ai fait des actions en France. Et là, je suis très heureux si on peut faire un programme sur du long terme. Je remercie Bruno et Martine pour votre action. À très bientôt.